l'Éternel est au contrôle. Non, non, s'il ne parle pas, ne lui parle pas. Dis l'Éternel est au contrôle. Dis l'Éternel est au contrôle. Alors prends ta Bible. On a 10 minutes. Prends ta Bible. Vous tous qui nous suivez, plusieurs nous ont appelés du monde entier. Que Dieu vous bénisse. On s'excuse, vous n'avez pas suivi la prière en direct. Maintenant, vous pouvez suivre. Prenons nos Bibles, Jérémie chapitre 33. Jérémie 33, on se lève, on lit la parole du Seigneur. Prenez vos Bibles là-bas. En Italie, au Canada, il est encore trop tôt. Aux États-Unis, vous nous suivez, prenez vos Bibles. Le temps n'est pas un problème. Jérémie 33. Jérémie 33. Dis ça, c'est la parole de Dieu. Non, laisse quelqu'un de sérieux répondre. Dis ça, c'est la parole de Dieu. Dis-moi, je crois la parole de Dieu. Jérémie combien? Verset combien? Verset combien? Non, j'ai dit verset 7. On lit la parole de Dieu. Écoutez très bien. Et celui à qui ça s'adresse, il ne peut que dire Amen qui vient de son cœur. Non, il faut lire d'abord. Je ramènerai les captifs de Juda. Regarde, la situation dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas à toi de te battre. Dis Amen. Il y a des combats que tu peux mener qui n'aboutiront pas. Il y a des choses que tu fais ta part. Ta part, c'est ce que tu es en train de faire. C'est de prier, c'est de libérer ton cœur. De l'or, jeter ça dans la poussière comme Dieu nous l'a dit hier. Il dit libère ton cœur. Tout ce qui est blessure, haine, rancœur, vengeance, libère tout. Enlève tout. Si tu as enlevé, maintenant voilà ce que Dieu te dit. Après t'être dépouillé, il dit je ramènerai. L'Éternel Dieu lui-même, il prend l'engagement. Il dit c'est lui d'abord qui te ramène. Dis Amen. Dis un Amen plus fort que ton voisin. Assieds-toi. Le Kebosu Kataya. Il dit, je ramènerai les captifs de Juda. Juda, lève la tête. Le sous-thème de ce midi, c'est le rétablissement est accompli. Dis à celui qui est à côté de toi, dis à celui qui est à côté, dis c'est pour moi ça. Dis je ne connais pas ta position. Mais ça c'est mon Dieu qui vient de me parler. Alléluia. Laissez-moi vous expliquer la pensée du Seigneur. Regarde ce que la parole déclare. Voyez, le rétablissement est accompli. Ce n'est pas un départ. Ce n'est pas quelque chose à venir. Le rétablissement, il n'aura pas de débat sur ton rétablissement. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce midi. On n'a pas dit de t'aimer. On dit Dieu a donné l'ordre. Ils n'ont qu'à te remettre à ta place. Ils n'ont qu'à remettre ta santé à sa place, tes finances à sa place, ton argent à sa place, ton visa à sa place. Fais ta main comme ça. Dis, je ne t'ai pas dit de m'aimer. Ramène mes choses. C'est tout ce que je dis. Regardez, je vais vous expliquer quelque chose là. Dis, je ramènerai les captifs de Juda. Dis, comment ça? Juda veut dire louange. Je parle à quelqu'un. Mokerebos. Makataye. Hey, frère, quand tu es comment pourquoi Dieu ne parle pas des autres tribus? Mais c'est de ça on va vous expliquer. Vous savez, Dieu n'est pas injuste, mais Dieu fait pas les choses de façon équilibrée. C'est pas parce que Dieu bénit Barom qu'il va bénir Yérémou et puis qu'il va bénir. Non, Dieu peut bénir quelqu'un pendant 50 ans et puis il n'a même pas commencé à bénir quelqu'un. C'est-à-dire, il rentre dans ta famille.
Il a regardé ton cœur, tu as trouvé grâce. Qu'est-ce qu'il fait? Et tu te maries, tes enfants se marient. Pendant ce temps, le voisin, il n'y a même pas encore un mariage qui a commencé. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole de Dieu dit, je ramènerai. Il ne dit même pas d'abord Israël. Dis frère, faut nous expliquer. Israël, c'est la prééminence. Mais il y a des choses là, quand on arrive dans certains mouvements, ce n'est plus Israël qui est là. C'est Judas qui vient avant. Dis frère, comment? Mais parce que Judas veut dire louange à Dieu. Regarde, quand Dieu trouve un homme qui le célèbre, qui le loue, malgré les difficultés, les épreuves, les humiliations, les rejets, la personne le loue, la personne le célèbre, la personne l'adore, la personne le contemple, l'Éternel te ramène premier. Bénis Dieu pour ta situation. Bénis Dieu pour tout ce que tu as traversé. Ne regarde pas ce qu'il n'a pas encore fait. Dis l'Éternel soit béni. Fais ta main, dis l'Éternel soit béni. Tu ne m'as pas encore donné l'argent, le mariage, l'enfantement, la promotion, le marché. Mais je te bénis. Je te bénis de tout mon cœur. Parce que je te connais. C'est déjà fait. C'est pourquoi je te loue. Je te célèbre. Je te salmodie. Sois béni, mon Dieu. Dieu, voyez, la Bible dit que notre Dieu siège dans les prières. Il siège dans les intercessions. Quand on commence à envoyer l'argent, Dieu coupe pour venir là-bas. L'Éternel Dieu siège dans la... La louange et l'adoration. Un homme qui commence à contempler Dieu malgré les épreuves. Dis frère, faut appuyer. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient dans la fournaise. Ils étaient en train de chanter. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Regarde, dans les épreuves, dans l'humiliation, dans l'abaissement, plus tu te plains, plus la situation persiste. Plus tu te plais, plus la chose te résiste. Dieu n'aime pas les plaignards. Plus tu te plais, plus la chose devient compliquée. Ne te plais pas, loue Dieu. Ne te plais pas, bénis le Seigneur. Shadrach, Meshach, Abednego étaient en train de bénir le Seigneur. Ils ont été jetés dans la fournaise injustement. Ils ont fait quoi? Rien. Ils adoraient Dieu quand on les a pris. Tu seras en train de servir Dieu, honorer Dieu, quand quelqu'un va, à cause de sa jalousie et sa méchanceté, vouloir te faire du mal. Ce n'est pas à toi de te défendre. On les a pris, on les a jetés dans la fournaise. Le Seigneur, au lieu de les enlever, lui-même descend derrière eux. Je t'annonce ce midi que tu n'es pas seul dans le problème. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi, qui sera contre eux? Si Dieu lui-même est avec moi, qui sera contre eux? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est de ton côté, le problème peut prendre sa dimension qu'elle veut. Les humiliations n'ont qu'à persister. Mais après Manassé vient Ephraïm. Demain, je vais te mélanger ta pensée. Ces derniers jours. Tu sais ce que Dieu attend? C'est demain. Est-ce que vous comprenez pourquoi la femme qui suivait Jésus, qui a touché son drégéba, son boubou, sa robe, dit robe. Jésus ne porte pas chemise, il porte robe. C'est fort. Vous savez, les gens disent souvent, je vais vous enlever quelque chose. Ne soyez plus dans ça. Les chrétiens évangéliques sont dedans, mais vous, mes enfants, ne soyez plus dedans. Dis, c'est quelque chose. Les gens disent, je crois en Dieu et Dieu sait que je l'aime. Dieu connaît mon
et ce que je, ça suffit pas, ne dis plus ça. Dieu sait tout. Mais c'est lui-même qui dit, il faut que tu démontres. Vous savez, il y a deux choses qui se démontrent. L'amour et puis la foi. Bienvenue. Tu comprends un peu? C'est à cause de toi que j'ai dit ça. C'est pour demain. Femme, tu la regardes, tu souris. Elle va se fâcher avec toi. Il faut lui dire ce que tu penses. Si elle est jolie, dis-lui elle est jolie. Il ne faut pas dire non, ma chérie, mais ma femme sait que je l'aime. Femme va te quitter pour ça. Il peut mélanger. Les femmes, c'est vrai ou bien c'est faux? Femme peut s'habiller, elle passe. C'est pas parce qu'elle ne sait pas qu'elle est sapée. Elle sait qu'elle est sapée. Elle attend. Voyez, il y a des hommes qui ne sont pas expressifs. Oh, c'est pour demain. Oh. Ça, c'est pour demain. On ne mange pas pour demain là aujourd'hui. C'est pourquoi je suis en train de préparer 3 de mes enfants. On va sortir. Quand tu es un garçon, il faut parler. Garçon qui ne parle pas, tu vas devenir femme. Il y a des femmes qui sont frustrées. C'est pas, tu vas donner l'or, l'argent, joli monde. Femme aime ça, mais ce n'est pas suffisant. Il faut parler. Dis-lui, je t'aime. Dis, je t'apprécie. Dis, je t'aime. Ce genre de femme que j'aime là, c'est toi qui es là, là. Quand tu as dit ça là, ta journée est bénie. Toi-même, tu es là, là. Le culte est béni. Amen. Amen. Hein? Fiston, tu comprends ce que je dis là? On n'a qu'à parler. On ne parle pas. Adam, quand il a vu Ève, il a parlé. Libère-toi. Faut parler, faut être expressif. Un garçon qui ne parle pas, ce n'est pas un garçon. Quand tu vois ces jolies, parle. La femme là, elle te regarde. Ce n'est pas parce qu'elle a l'argent. Et l'argent que tu donnes, elle prend. Elle apprécie. Mais il faut faire sortir de ta bouche. Dis que là, je t'aime trop. En dehors de toi, je ne sais pas si elle peut aimer quelqu'un. Je t'aime plus que mes parents. Quand femme entend ça, toi-même là où tu es là, tu n'as pas l'argent, elle va t'enrichir. Manger, tu n'as même pas demandé, là, elle va préparer pour toi. C'est ça, on dit fâché. Vieux là, quand on dit vieux là, c'est vieux qui est là. On est ensemble, mais on n'est pas mélangé. Hein. Ça c'est. Il y a un séminaire pour février là. C'est un peu qui est là. Sois béni, Diana. Alléluia! Frère, qu'est-ce que la parole? La Bible dit, je ramènerai les captifs de Juda. Un homme qui célèbre Dieu, qui bénit Dieu, qui ne se plaint pas. Vous savez, quand un homme, regarde, ce qui soutient tes os et ta chair, même dans la douleur. La Bible dit que Paul et Silas, ils ont été blessés. Mais dans les blessures, même dans ton humiliation, tu es blessé, tu as été abaissé, humilié, rejeté. Dans cette situation, n'attends pas que ça se règle. Dans ça, commence à bénir Dieu. Dis à Dieu que tu ne peux jamais l'abandonner. Les parents peuvent t'abandonner. Et quand il sera en train de dire ça, les gens de Juda, ils étaient en captivité. Dieu les a vus, mais ils ont commencé à louer. Quand ils ont commencé à louer, Dieu sait qu'Israël passe avant tout le monde. Mais Dieu dit, c'est les captifs, les Judas là. Venez d'abord. Il dit, mais Dieu, depuis que le monde est monde, Israël n'est pas en dernière position. Il dit, c'est Israël n'a jamais été dernier, mais cette fois-ci, là, on appelle ceux qui sont des loueurs, ceux qui sont reconnaissants, ceux qui ne se plaignent pas, qui bénissent Dieu. Parce que quand tu bénis Dieu dans la situation, c'est parce que tu as foi. Regarde, ce que tu attends, peut-être c'est un contrat, peut-être c'est une signature qui doit être faite, peut-être c'est un voyage, peut-être c'est un... Je ne sais pas ce que tu attends cette année, mais même la situation qui a commencé, vous savez. My goodness. J'ai envie de dire quelque chose.
Non, pour demain. Je ne sais pas si demain tu vas venir. Il a il dit au captif de Judas, restez là-bas, je vais vous chercher. Vous savez, il y a des situations même où toi-même, peut-être tu n'as pas le temps, mais à cause de la communion qui existe entre toi et ton, toi-même tu dis, reste là-bas, je viens là-bas. Je viens te chercher. Dis non, attends, je viens. Dieu là, il a vu Israël et puis il a vu Judas. Il dit, Judas, et mais il ne s'attendait pas. Ils savent que quand Dieu vient toujours depuis Genèse, c'est Israël. Il dit, Judas, vous avez commencé à louer, à reconnaître ma grandeur, malgré vos épreuves. Quand un homme commence à reconnaître la grandeur de Dieu, la suprématie, même ce matin, tu ne sais pas le soir ce que tu vas manger, mais tu as payé ton transport, tu es venu. Dieu ne va pas t'oublier. Dieu ne va pas t'abandonner. Il ne peut pas et il ne va pas le faire. Amen. Vous savez pourquoi? Il a ramené, il dit, je ramènerai les captifs de Judas et les captifs d'Israël. Dans la Bible, quand vous voyez, le nom qui vient avant, c'est ce qui est prioritaire. C'est pour ça que vous n'allez jamais voir dans la Bible la terre. Vous n'allez jamais voir ça dans la Bible. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Il est écrit dans la Bible, le ciel et la terre. L'homme et la femme. Le jour et la nuit. Mais le jour lui-même ne commence pas dans la lumière. Le jour commence la nuit. C'est pour ça que quand Jésus est venu, les gens étaient étonnés de ce qu'il aille à la croix mourir. Ça a choqué l'humanité entière. On dit, mais c'est pas pour ça que tu es venu. Comment tu viens nous sauver? C'est toi qui meurs comme un poltron. Parce que la victoire ne commence pas par la victoire. La vie ne commence pas par la victoire. Ça commence par un semblant d'échec. L'impression que tu as perdu. Quand Jésus est mort, le diable a commencé à fêter dans son QG. Il ne savait pas que Jésus allait pour récupérer toutes les clés. La Bible dit, l'apôtre Paul dit par l'esprit, si Satan savait, quand tu as Jésus, le monde entier allait être sauvé, il n'allait pas le tuer. Si les gens, ton ennemi savait qu'en te poussant dans le dos, il allait t'amener dans ta destinée, dans ton mariage. Je vais dire à quelqu'un qui va être choqué, mais Dieu me dit de te choquer. Ils vont te renvoyer de là où tu es là. Parce que le temps où tu dois avoir ta propre entreprise est arrivé. Mais si on ne te renvoie pas, tu ne croiseras pas celui qui va te financer. Il y a des gens qui vont te quitter dans l'entreprise. Tu as l'impression que ça va tomber. Non, c'est parce que le meilleur, il faut qu'il vienne pour remplacer celui-là. Et s'il ne veut pas partir, Dieu lui-même va mélanger son cœur. Et puis il va dire, patron, je rends ma démission. Quand il rendra sa démission, celui qui va venir faire monter tes chiffres d'affaires, c'est... Ici là, c'est quand on perd qu'on gagne. On perd. On est actuellement en train de perdre. Insulte, injure. Ça, c'est le côté négatif. Tu es en train de perdre comme ça. Persécutez-moi sur la terre. Persécutez-moi. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Mais vous savez? La nouvelle patrie déjà commence à être les prémices ici. Dis frère, faut nous dire quelque chose dedans. Jésus est ressuscité, les gens croyaient qu'il allait s'envoler comme papillon. Voyez comment l'esprit de l'homme est tordu. On pense que dans le paradis, les gens volent, ils volent comme des papillons, ils ne mangent pas, ils ne font pas. Dis frère, qu'est-ce que tu en sais? Quand Jésus est ressuscité, les gens, les propres disciples avaient peur de lui. Quand ils l'ont vu venir, on est revenant. André revenant. Regarde comment il m'a. André, ses pieds ne touchent pas le sol.
On est revenu. Maintenant, quand il s'approche d'eux, il recule. Il dit, mais pourquoi on fait ça? Maintenant, c'est pas si c'est toi vraiment. Et il dit, mais un revenant n'a pas de chair ni d'os. Vous avez quelque chose? Il dit, on a poisson grillé. On a un peu de miel. Il a pris poisson là. Il a commencé à manger ça. Étant ressuscité, à la résurrection, tu seras tel que tu es. Le problème est qu'il n'aura pas de défaut, pas de blessure, pas de cicatrice, pas de déformation, rien. Ton corps là, on te reconnaît par ton nom, ta taille, tout. Le problème est que là où tu es, la seule chose qui ne peut plus t'arriver, non seulement tu manges, tu vas manger pomme, placali, coco, tu manges. Il ne faut pas me demander comment. Comme il n'a pas compris ce qu'il a dit, là, demande-moi encore, dis frère, comment tu sais ça? J'ai dit que Jésus, quand il est ressuscité, il a mangé poisson grillé. Ça, beaucoup ne savent pas ça. Oh, pourtant, ils ne lisent pas. Lisez Bible, là, vous l'avez sur les réseaux sociaux. Sécurisez le direct, mettez les cœurs. Jésus mange poisson. Quels sont ceux qui savent que Jésus a mangé poisson braisé? Et il a bu miel. Il a mangé poisson braisé, il a lapé miel. Ou bien? C'est après sa résurrection. Après ça, il ne parle pas avant. Quand il est ressuscité, ils l'ont touché. Son corps est dû plus que pour moi. À la résurrection, il ne faut pas avoir des pensées tordues. Tel que tu es, on te reconnaîtra. S'il a demandé s'il y a quelque chose à manger, on ne lui a pas donné l'air. Ces poissons, il a broyé, il a avalé. C'est descendu dans son ventre. Le problème, c'est que la différence ici, c'est que il n'y a pas maladie. Là où tu es là, tu apparais, tu es ici, tu apparais à main. Les gens te voient et disent, ah, mémé Hélène, tu es venu faire quoi? Dis non, je vais saluer votre fille qui est allez, votre tante qui est en France là. Tu apparais là encore. C'est pourquoi on te dit, il faut persévérer. Tu vois les bonnes choses comme ça là. Avion va tomber. En tout cas pour nous. On ne prend plus avion. Joko, tu te lèves, tu vas au Canada. Hein? Il n'y a plus rien d'autre. Tu te lèves là-bas, tu dis non, bon, ben voilà, mes enfants, il m'a salué votre tante qui est en Thaïlande là. Ah, c'est moins d'une seconde. Tu apparais. Mais pour ça là, il faut que Dieu te rétablisse. Et je t'annonce ce midi que c'est fait. Le ciel est ouvert, c'est fait. Tu es rétabli au nom de Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et l'Éternel dit, je les rétablirai comme autrefois. C'est fini. La position que Dieu t'avait donnée. Et puis l'ennemi a mélangé ton calcul là. Lui, quand il parle d'autres fois là, c'est parce que toi tu sais là. Hein? Il y a des positions que toi, Dieu sait que toi tu ne savais pas. Il faut comprendre ça. C'est pas ton autre fois, toi tu étais où? Il ne faut pas y être mélangé. Hein? Là où tu as. De parler en bâti. Là où tu étais avant là, si on veut te ramener là-bas, il faut dire, je ne vais pas là-bas. Rétablissement dont on parle là, c'est le plan de Dieu établi là. Où Satan allait te dénicher là, où il allait mélanger ton plan, c'est là-bas, le plan initial. C'est-à-dire quand Dieu t'a créé et il t'a façonné, c'était pour quelque chose. C'est-à-dire tout ce qu'il avait tracé pour toi là, c'est dans ça qu'il te ramène. C'est pas plan que toi tu connais, tu as fait 4 fois 2, non. Tu vas là-bas là, tu vas devenir quoi? Depuis hier quand on parlait, les gens même certains vont me dire, pasteur, faut pas, il va me rétablir. Il n'a qu'à m'avancer. Rétablissement dont on est en train de parler là, c'est pas rétablissement de ton projet là, hein. C'est selon lui son plan. Toi tu as pensé que tu devrais être là. Entends lui, dans son plan initial, tu dois être ici. C'est ici qu'il te ramène. C'est pas là où il te... Regarde, ils viendront, ils ne te trouveront pas là où ils t'ont laissé. Fais ton doigt, dis, tu ne me retrouveras pas là où tu m'as laissé.
Je vais avancer. Amen. C'est lui qui te prend par sa main. Actuellement, là où tu es là, les tractations ont commencé dans le monde invisible. Je parle à quelqu'un. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Il est 13h. Lève-toi. Mets ta main sur ton cœur. Et dis une parole forte. Prie maintenant et bénis Dieu. Prie, prie, prie. Bénis Dieu maintenant pour ta vie. Dieu te rétablit. Dieu te rétablit. Dieu te rétablit. Merci, pasteur. Pékété. Continue de parler. Mets ta main droite sur ton cœur. Prie, 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 prie. Bénis ton Dieu, bénis ton Dieu. Tapez les mains, bas les mains, bas les mains, bas les mains, bas les mains. Prie avec violence, prie avec force, prie avec détermination. Bas les mains en ce midi. Le ciel est ouvert pour toi. Dieu te rétablit, il te rétablit, il te rétablit, il te rétablit, il te rétablit en ce midi. C'est pourquoi ne t'embarrasse point de fioritures, ne doute point, bien-aimé. Aujourd'hui, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Il te rétablit comme autrefois, lorsque tu étais avec lui, lorsque tu étais avec lui, avant que tu ne reviennes sur cette terre. Dieu te rétablit dans ta position initiale, dans ta position originale, dans ta position originale. Dieu te rétablit, il te fait rentrer dans des profondeurs célestes. Il te rétablit en ce jour. C'est pourquoi prie, 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 va les mains, ne t'attends pas, ne t'embarrasse pas de fioritures, ne sois point que ne doute point. En ce midi, le ciel s'ouvre pour toi, il te favorise, il te favorise, il te favorise, il te favorise, il ouvre les portes, les grandes portes, les choses cachées que tu ne connais pas. Le Seigneur te rétablit dans ces choses. Il te rétablit, il te rétablit, il te rétablit, il rétablit ta maisonnée, il rétablit ton époux, il rétablit ta femme, il rétablit tes enfants à cause de toi, à cause de toi, à cause de toi. Le Dieu de gloire s'est levé en ce mini pour te rétablir, pour te restituer tout ce qui t'a été volé, tout ce que le diable t'a volé, tout ce que l'ennemi t'a volé. Oui, bien-aimé, Dieu te rétablit dans ces choses, les choses spirituelles, les choses physiques, les choses matérielles, les choses financières, les choses spirituelles. Le Seigneur te rétablit, il te repositionne, il te repositionne, il te repositionne, il te repositionne. En ce début d'année, le Dieu de gloire s'est levé pour toi, pour te rétablir. C'est pourquoi, prie, 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 prie. En ce midi, mon frère, prie. Si tu es là, c'est dans la bonne part, dans la bonne place, dans la bonne position, car le ciel est ouvert pour toi. Le Dieu de gloire te rétablit, il te favorise, il te rétablit, il te met au large, il te met au large, il te met au large, il te met au large. Il change ta destinée, bien-aimé. Il change ta destinée, bien-aimé. Il te rétablit et il te repositionne. En ce midi, en ce second jour, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli. Le Dieu de gloire te rétablit en ce midi. Il te rétablit. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie, des cris de héros, des cris de vainqueur? Alléluia! 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 Tu es rétabli au nom puissant de Jésus. Poussons des cris de joie encore. Est-ce qu'on peut sauter? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons danser à la dimension de sa gloire? Il est le Dieu vivant et qui dit qu'il nous rétablit comme